Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un tour du potager qui va être assez rapide parce que j'ai plus beaucoup de place. Donc là vous voyez, là les tomates depuis la dernière fois qu'on a fait un tour du potager ont beaucoup grandi. Et les patates c'est pareil, il y en a même une qui va bientôt fleurir. Hop, les poireaux ça va. Donc là maintenant on a un tas de fumier, hein, voilà. Là on a les carottes qui ont bien grandi, un poireau, les tomates aussi. Une autre tomate là, une autre là-bas, là, là, juste là. Là on a les ailes, on a déjà enlevé deux, mais ils étaient un peu petits. Là-bas, on a les oignons et deux tomates. Là, on a les tomates. On a les fraisiers. Et, enfin, ça n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois. Sauf que les plantes ont beaucoup grandi. C'est ça la différence. Par exemple, la rose d'Inde ou l'œillet d'Inde, on ne sait pas forcément trop quelle sorte c'est, dont a fleuri. Là, on a une courgette qui a elle-même fleuri aussi. Les poireaux. Le melon qui a beaucoup grandi. On a les salades qui ont grandi pas mal aussi. Le potimarron là a pas mal grandi, celui de là-bas a plutôt stagné, mais il fait un peu petit contrairement à la citrouille et puis tout ça, mais je l'aime beaucoup aussi. Hein. Donc là on va mettre une nouvelle citrouille qui est ici, qui va bientôt rejoindre la pleine terre. Donc là on a toujours les tomates, les poireaux. Celle-là elle a presque plus de feuilles. Donc voilà, je vous dis c'était déjà la fin de cette vidéo. En passant par là, et donc c'est déjà la fin de cette vidéo, donc je vous dis à plus, et puis voilà.